Remember back in the days when niggas had waves. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, la team, pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, je sais que ça fait un petit moment que vous l'attendez, c'est je note des waves. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus à quelle partie on est. Je sais que ça fait quand même pas mal de parties, pas mal d'épisodes sur je note des waves. Mais ouais, vous avez été nombreux à m'envoyer des photos. J'ai pu prendre les meilleures photos, si je pourrais dire. Quand je parle de meilleures photos, c'est par rapport à l'éclairage et par rapport aux angles que vous avez. Donc si j'arrive à voir un peu la couronne, j'arrive à voir un peu tous les angles qui sont intéressants pour pouvoir noter des waves. Petite information, comme je le rappelle, avant chaque vidéo, je note des waves. Toutes les notes que je donne ne sont pas des notes liées par rapport à mes waves, mais par rapport à ce que moi j'estime en tant qu'élite waver. Elite waver, avoir une note entre 9 et 10 sur 10. C'est une note sur 10. Ne vous inquiétez pas si vous avez une note en dessous de 5, que vous estimez par exemple une note plutôt faible ou mauvaise selon vous. Ce n'est pas pour vous descendre, c'est tout simplement pour vous encourager. Essayez de vous donner des astuces, des conseils pour peut-être plus tard dans le prochain Je note tes waves avoir de meilleurs résultats. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que du love la team. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le maximum de motivation. Donc si toi, tu regardes cette vidéo, que tu fais partie de Je note tes waves celui-ci, peut-être tu vas trouver de la motivation à travers d'autres personnes qui ont envoyé leurs photos. Bon les gars, on se retrouve tout de suite pour aller dans le vif du sujet, juste après mon intro. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, yo. Ok la team, on commence, première photo. Ouh, ok, ça commence fort là. Première photo, on va directement dans le vif du sujet. Tu sais, j'ai l'impression, et c'est une bonne impression d'ailleurs, que plus on avance dans Je note tes waves, plus vous avancez vous aussi, et c'est normal. Au bout d'un moment, à force de brosser, à force de suivre de nouvelles vidéos, de nouvelles photos, des comptes qui ont pas mal de conseils et d'astuces, à force de suivre tout ça, vous arrivez à un bon résultat. Et de ce que j'ai pu apercevoir comme photo, parce que j'ai reçu vos emails, je les ai enregistrés, et j'ai aperçu approximativement et j'ai enregistré les photos. De ce que j'ai vu, il y avait un level incroyable. Vous êtes trop fort la team. Première photo, là on est sur déjà un coarse hair waver. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui arrivent sur la chaîne, un coarse hair waver, c'est une personne qui a les cheveux crépus et qui fait des waves. Là, ce que j'aime sur cet angle-là, c'est que la luminosité est bonne, on peut voir la couronne et on voit un peu les quatre angles, même si on voit vraiment le top, donc le dessus, l'arrière, la couronne, et on voit un petit peu les sides. Et ça, c'est très bon. Pour pouvoir, j'aime pas le mot juger parce que je ne suis personne pour juger, mais pour pouvoir noter, pour pouvoir avoir un avis sur les waves que j'essaye de noter, il faut que j'ai de la matière. Vous voyez? Et ça, c'est un bon cliché. Bon, cliché. On va partir directement sur la note. Je vais toujours commencer par la note sur 10 et après, j'expliquerai pourquoi. Au niveau de la note sur 10, toi, je te donne un... J'ai envie de te donner un 8 sur 10. Ouais, j'ai envie de te donner un 8 sur 10 parce que t'as un coarse hair et tu n'as pas énormément de fourche, tu vois. Maintenant, pourquoi je t'ai donné un 8 et pourquoi je ne suis pas allé au-dessus? J'aurais pu aller sur 8,5 voire 9 sur 10 si tu avais un peu plus de profondeur et si autour de ta couronne, ici là, t'aurais eu un peu plus de connexion. Parce que en tant que coarse hair waver, bien sûr, comme t'es un coarse, tu as beaucoup plus de boucles. Donc, normalement, autour de ta couronne, tu as beaucoup plus de waves. Et bien sûr, qui dit beaucoup plus de waves, dit aussi beaucoup plus de fourches. Donc, c'est pourquoi, quand vous êtes un coarse hair waver, c'est compliqué d'avoir vraiment des waves qui soient vraiment bien faites sans fourche. Et c'est pourquoi les coarse hair waver qui n'ont aucune fourche, qui sont flawless, c'est vraiment incroyable. Bon, là, comme je t'ai dit, 8 sur 10, c'est une très très bonne note. Hein. Mais 8 sur 10, et ouais, j'aurais pu monter au-dessus si tu avais eu beaucoup plus de waves autour de ta couronne et que tu aurais peut-être un peu plus de profondeur. Même si ici, là, sur le côté droit, sur ton side right, tu as quand même une belle profondeur. Hein. Derrière, je vois pas trop, mais ouais, en tout cas, c'est une très belle photo. Continue comme ça. Ok, bon, là, moi, alors, j'avais vu cette photo et je me suis dit, est-ce que je la prends ou pas? Pourquoi? Parce que l'éclairage n'est pas incroyable. Le mieux pour un bon éclairage, pour prendre une photo ou une vidéo de vos waves, la plupart du temps, quand on prend un cliché de nous-mêmes, il ne faut pas mettre la source de lumière principale en face parce que c'est mauvais, il n'y a pas d'ombre, etc. Sauf que là, pour tout ce qui est waves, coiffure, vous devez avoir la lumière en plein sur vos waves pour pouvoir avoir cet aspect et voir vraiment les waves. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, malheureusement, j'ai l'impression que la lumière est plus d'en haut, parce que quand tu regardes ici, tu vois qu'il y a une ombre. Donc ça veut dire que la source de lumière vient plus d'en haut. Et malheureusement, là, c'est pas un bon cliché par rapport à sa photo. Maintenant, on peut voir qu'il vient de commencer les waves, de ce que je comprends, puisqu'il est en train d'isoler ici sa couronne, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de semaines, de mois, pour pouvoir avoir un résultat vraiment optimal. Là, de ce que je peux voir, t'as pas encore de waves. T'es vraiment à la limite d'avoir des ripples, donc c'est le début, c'est normal. Mais en tout cas, ne perds pas vraiment de motivation. Essaye d'avoir le maximum de motivation en regardant des photos, des vidéos, en regardant des gars qui te motivent au maximum, même que ce soit par rapport aux waves ou par rapport à toute autre chose, parce que tu peux avoir de la motivation dans toute chose. Et là, moi, pour te donner une note sur 10, alors pour t'encourager, je vais aller sur 5 sur 10, même si je vais te dire la vérité, normalement, en temps normal, je mets une note en dessous par rapport à cela. Mais là, pour t'encourager, ça se voit que tu essayes d'isoler ta couronne, fais-le beaucoup plus devant un miroir, parce que là, on voit que tu as un trait encore, tu vois ici. Donc essaye d'avoir quelque chose de beaucoup plus défini, mais c'est bien. En tout cas, t'isole ta couronne pour pouvoir bien faire tes angles. Et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il est important de commencer par la couronne pour avoir des angles parfaits et éviter d'avoir beaucoup trop de fourches, parce que c'est le nerf de la guerre, vous le savez très bien, quand on fait des waves. Maintenant, je pense que tu vas aller sur un 360, parce que j'ai l'impression que tu brosses en beehive, comme ça. Boum, 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 boum. Donc non, c'est très bien. Continue. Après, comme je t'ai dit, 5 sur 10... Je le rappelle, chaque note que je mets en dessous de 5, ou si vous estimez avoir une note qui ne vous correspond pas, ce n'est pas pour vous blâmer les gars, c'est vraiment pour vous encourager et j'essaie de vous donner le maximum d'astuces pour vous aider. Et comme je le rappelle, ce n'est pas par rapport à mes waves, mais par rapport à ce que j'estime moi en tant qu'élite waver. Ok, ok la team, ok. Bon, déjà le fade est propre. Le gars est sur un 180. Le fade est très propre. Le barbeur va faire un taf de ouf parce que le fade là, damn bro. Bon, on est sur un medium straight hair waver, d'accord? Donc entre les deux, entre cheveux bouclés classiques et plus typé vers lisse, un peu comme moi, tu vois. Et là, je trouve que déjà ton 180 est super bien maîtrisé. Parce que bon, comme je l'ai déjà expliqué, sur un 180, t'as pas spécialement besoin d'isoler ta couronne. Après, ça dépend ce que toi tu recherches, ça dépend si tu fais un high fade, si tu fais un low fade, tu vois, ça dépend de plein de choses. Il y a des personnes qui préfèrent en avoir ou pas. Mais là, en tout cas, ça sert à rien parce que t'as pas assez de longueur pour pouvoir définir vraiment ta couronne. Mais là, damn bro, regarde là, sur le côté, qu'on regarde bien, ton 180 il est maîtrisé, hein. Bien joué, mon gars. Ouais, facile. Là, je vais juger par rapport, j'aime pas, comme je l'ai dit ce mot, je vais noter par rapport à un 180, pas par un pattern entier. Mais sur un 180 uniquement, là, tu mérites facile un 9 sur 10. Facile un 9 sur 10. Et je me demande même si je vais pas aller sur... Je n'ai jamais mis encore 10 sur 10, les gars. Et je n'aime pas cette note de 10 sur 10. C'est vraiment trop parfait et il n'y a rien de parfait dans la vie. Donc ouais, je vais aller sur un 9 sur 10, mon gars. Mais bien joué, bien joué. Au niveau des conseils que je peux t'apporter sur un 180, je vais te dire la vérité, continue. Je n'ai pas de conseils particuliers à donner parce que ça se voit que tu brosses bien. Ta santé, la santé de tes cheveux est vraiment bien. T'as une bonne texture dans le sens où t'as coupé à une bonne longueur. Non, continue comme ça, je n'ai rien d'autre à dire mon gars. Continue comme ça, bien joué, 9 sur 10, c'est du très très bon boulot. Ooh, damn, bro. On est sur un coarse hair waver. Vous voyez, ça c'est des clichés que j'aime voir. Parce que là, on voit tout. On voit tout, à part le left side. Mais on voit tous les angles sinon. Et c'est comme ça qu'on peut voir si un gars a de bonnes waves ou pas. Et là, ça me fait plaisir parce que la couronne est isolée. Le gars est sur un 360 Beehive, un 360 classique. Et ouais, non, il a de bonnes waves. Après, là, sur le côté, sur son right side, on voit qu'il a des fourches. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin bon, tout son côté ici a quelques fourches. Mais ça, ça va partir. J'ai l'impression que tu es sur un wolfing parce que tes cheveux sont bien plaqués. Tu as de la profondeur. Et quand tu vas couper, à mon avis, tu vas avoir un résultat incroyable. Tu vas avoir une définition, mon gars. C'est du très, très bon boulot. La note, je te donne un 8,5 sur 10. J'aurais pu aller sur 9 si là, par exemple, j'avais pas vu toutes ces fourches-là qui sont là et ici. Là qu'on voit ici et ici. Mais c'est du très bon boulot. Et mon gars, je suis pressé de voir ce qu'il y a en dessous le wolfing, là. Mais bien, je vais continuer. D'accord. Oh, 360 swirl. Je n'avais pas encore vu de 360 swirl, là, dans ce jeu des waves-là. D'ailleurs, j'ai vu peu de patterns en swirl. Mais j'adore les swirls. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'avais commencé par un 540, les gars. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous vous souvenez très bien que j'avais un 540 avant de partir sur mon 360 Beehive. Et là, regarde-moi la profondeur. Attends, je vais zoomer, je suis obligé. Damn, bro, regarde ça, là. Ah, ouais. Non, mon gars, t'es chaud. J'apprécie réellement ton right side, là. Ton right side, là, ton côté droit, regarde ça, regarde les angles. Boum, boum, boum. Get-moi le swirl ici, là. Ça tourbillonne, hein. Tu vois, là, moi, je vais donner une note. Alors, la définition aurait pu changer un petit peu ma note. Effectivement, j'aurais pu aller beaucoup plus haut. Mais je me rends compte de
plusieurs choses. Première chose, qu'ici au niveau de la couronne, bon, elle est isolée, c'est un fait. Mais il te manque de la longueur ici. Même si tu as une bonne profondeur, comme on le voit ici, il te manque de la longueur, tu vois. Il te manque de la longueur. Et ce qui fait que ta couronne n'est pas réellement à fond, tu vois. En tout cas, tu peux avoir un résultat beaucoup plus impressionnant si tu as beaucoup plus de longueur. Ça, c'est un fait qui est vraiment intéressant. Après, au niveau de... Ouais, en bas, ton haut, ton top, il est propre, hein. T'as une fourche qu'on peut voir en bas, là. Mais non, c'est propre, en tout cas. C'est du bon boulot. Ça, c'est bien. On est sur un bon truc ici. Après, où est-ce que je vois? Tu vois, j'ai l'impression qu'il te manque de la longueur aussi, un petit peu vers là, qu'on peut voir juste ici, je crois. Ici, ouais. Et derrière, là, ici, soit tu pars sur un taper qui est un peu plus haut, ou soit tu laisses beaucoup plus de longueur pour avoir plus de wave derrière, parce que sinon, tu vois, ça fait un petit peu cafouillis. Et derrière, ici, bon, ça a corrigé un petit peu les angles, ici, enfin, corrigé tes fourches, mais c'est du très très bon boulot, mon gars. Je voulais descendre sur un 7,5, mais je suis obligé de mettre un 8 sur 10, là, parce qu'il y a une profondeur, tes angles sont maîtrisés, ça va venir au fur et à mesure. Essaye de couper avec un sabot un peu plus élevé, un petit peu au-dessus, d'accord? Pour avoir beaucoup plus de définition, d'accord, sur tes waves, mais c'est du très bon boulot, mon gars. Ok, la team. Bon, déjà, la définition de la photo est incroyable. Hein. Là, on peut voir également que le gars, il s'est donné pour la photo. D'accord? Et c'est du très bon boulot. Et là, je vais te donner... En fait, c'est le même truc que tout à l'heure, que sur la précédente photo. C'est qu'il te manque de la longueur pour avoir une définition importante. Et ça, en fait, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, surtout les débutants qui arrivent dans le wave game, de se dire, je vais couper court. Sauf que plus tu coupes court, moins tu as de définition. À moins que tu sois un waver vraiment expérimenté, c'est compliqué d'avoir une certaine profondeur et définition si tu coupes très court. Après, comme je l'ai dit, plus tes cheveux vont être entraînés et disciplinés, plus tu vas avoir une certaine définition. Maintenant, là, ça se voit que tu n'es pas expérimenté dans le sens où ça ne fait pas des années que tu fais des waves. Mais essaye d'avoir beaucoup plus de longueur parce que comme ça, plus tu auras de la longueur, plus tu vas définir ta couronne qu'on voit qui est ici, là, tu vois. Et malheureusement, ça manque de profondeur. Mais on voit que tu es sur un 360 Beehive. On les constate bien, tes angles ici, tu vois. Mais essaye d'avoir plus de longueur. Et peut-être au niveau de la santé de tes cheveux, essaye de nourrir plus tes cheveux. Parce que j'ai l'impression que tes cheveux sont secs, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont secs. Donc essaye de les nourrir et de les hydrater un peu plus. Parce que regarde, on voit des petits frisottis un petit peu partout. Mais c'est du bon boulot. Après, malheureusement, par rapport à la profondeur, je vais devoir te mettre un 6,5 sur 10. Parce que ta couronne manque d'être isolée réellement. Tu vois, ça manque de connexion parce que t'as pas assez de longueur. Donc ouais, 6,5 sur 10, mais continue comme ça, mon gars. Ok, la team. J'aime voir ça, les gars. Ça me fait plaisir voir autant de level. Ça me fait plaisir. On est sûr, j'ai l'impression, un 360 swirl parce que les angles sont ainsi, ainsi, ainsi. Et là, on dirait que ça swirl un peu comme ça. Boum. Donc là, 360 swirl, on voit bien la couronne. C'est tous les angles qu'on a envie de voir. Malheureusement, l'éclairage est un peu faible ici, tu vois. Sur les côtés, sur le left side et sur le right side, on voit bien le back. On voit bien la couronne. On voit un peu le top. Mais malheureusement, il manque un petit peu, tu vois, pour bien constater. Là, au niveau de la note, je vais te mettre un 7 sur 10. Parce que malheureusement, je ne vois pas assez pour pouvoir bien éclairer. Après, effectivement, j'ai vu des photos, les gars, que vous m'avez envoyé, j'ai essayé de prendre la meilleure. Donc, ça se peut que sur d'autres photos, tu me montrais d'autres angles. Et c'est peut-être de ma faute, hein. Mais en tout cas, de ce que je constate là, de ce que j'ai pu choisir, je te mets un 7 sur 10. C'est du bon boulot. Continue, je dis pas le contraire. Tu es sur un medium waver. C'est du bon boulot. Après, plus de longueur au niveau de la couronne, c'est toujours le même constat. Essayez, et ça, c'est vraiment une règle primordiale dans les waves, de laisser plus de longueur. Un demi-sabot au-dessus quand vous coupez autour de votre couronne. La couronne, un demi-sabot et tout ce qu'il y a autour, vous coupez un demi-sabot en dessous. C'est important parce que la couronne, c'est où est-ce qu'il y a les cheveux les plus fins. Et malheureusement, la couronne, c'est ce qui va définir et découdre en fait sur tous tes angles qui vont faire un truc incroyable. Donc, essaye vraiment d'avoir plus de longueur au niveau de ta couronne. Mais 7 sur 10, c'est du bon boulot, mon gars. Et aussi le bac, là, tu vois. On constate, après, comme je t'ai dit, je ne sais pas si c'est un swirl ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un swirl. Et si c'est un swirl, boum, essaie d'avoir plus de longueur. Mais continue. Ok, le gars, il annonce la couleur, vous voyez. Ça, par rapport à sa texture de cheveux, c'est une bonne longueur. Parce qu'on peut voir que le gars, il a une profondeur. Il a une profondeur, mais toutefois, il garde une certaine longueur qui lui permet d'avoir un aspect et une définition globale de ses waves qui est beaucoup plus intéressante. Là, alors, la couronne, je la vois pas particulièrement, mais... T'as misé sur ton right side et sur ton back, hein, parce que regarde, boum, boum, boum. Ah ouais, mon gars, là, t'es chaud, là. T'es chaud, je vais te mettre, malgré la qualité de la photo qui n'est pas incroyable, mais les waves sont de qualité, donc c'est le principal. Je vais te mettre un... Je vais te mettre un 8 sur 10. 8, et malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a sur le left side, tu vois. Et sur le top, le côté left aussi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est du bon boulot. Continue comme ça, mon gars.
continue au niveau des conseils que je peux te donner. Bah malheureusement, si j'avais pu voir les autres angles, j'aurais peut-être pu mieux te conseiller. Mais là, et malheureusement, à part te dire de brosser et de continuer, je ne vois pas ce que je peux dire parce que t'as une bonne longueur. T'as une bonne texture de cheveux dans le sens où t'as la bonne longueur. Tes cheveux sont bien entretenus, donc ouais, c'est du bon boulot. La couronne, je vois qu'elle est isolée peut-être un peu plus. Faudrait, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais très bon boulot, les gars. Très bon boulot. Dernière photo, les gars. Oh, Jesus. Damn. Regarde, là, tu vois, c'est ce que j'appelle une couronne isolée, les gars. Ah, ça me fait plaisir. Là, ça, c'est isolé, tu vois. Là, tu peux voir que le gars, il brosse, il prend le temps, tu vois. De... Je suis désolé, la team, ça a coupé. Donc, je disais, ouais, non, vraiment, la personne avait des waves incroyable, vraiment incroyable. Au niveau de la note, je suis obligé de mettre un 9 sur 10 parce que tu as un très bon résultat, malgré une ou deux, trois fourches qu'on voit sur les côtés. Mais ta couronne là, mon gars, t'as très bien joué. Continue comme ça. Au niveau des conseils, malheureusement, à part brosser davantage, je ne sais pas quoi te dire parce que... Et casser ces fourches là, mais bon, ça c'est le nerf de la guerre. En tout cas, j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. Comme je le rappelle, toutes les notes que j'ai données, si vous avez eu de bonnes notes, ce que vous estimez avoir de bonnes notes, félicitations à vous, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne lancée. Si vous avez des notes un peu moins élevées, c'est vraiment pour vous motiver. Il y a des personnes, comme j'ai vu, qui avaient des waves. Vous étiez débutant et c'est normal, il faut un début à tout. Donc les gars, ne vous prenez pas la tête avec ça, continuez comme ça, j'espère que vous avez eu le maximum de motivation. Trouvez de la motivation, comme j'ai dit, dans tout, il n'y a pas que dans les waves. Trouvez de la motivation dans le sport, dans tout, qui va vous ramener aux waves. Et je sais que c'est très compliqué de brosser tous les jours, de se dire, ouais, mais je vois pas trop de résultats et tout. Non, brossez les gars, c'est en brossant et en faisant du wolfing que vous allez avoir un certain résultat dans les waves. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde comme vous le savez. Un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout la team, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.